bien sûr, et bah, du coup, on est en train de le déporter en complémentarité sur le e-retail, avec voilà, toutes ces stratégies de retail média hein, qui sont en effet un miroir un peu de ce qu'on faisait, j'imagine, à l'époque en magasin en ligne. Bah, c'est la clé hein, de tout ça, c'est la data, bien évidemment, c'est la connaissance client qui est beaucoup plus fine, la capacité à optimiser ce qu'on disait en temps quasiment réel, ça c'est vraiment une force par rapport à des dispositifs qui sont posés et qui vivent une fois pour toutes. La manière dont on travaille sur le e-retail, c'est d'être là toute l'année pour adresser les gens qui sont en phase d'achat, d'où cette stratégie retail média assez forte. Et puis ensuite, ben voilà, à la fois une stratégie défensive et offensive, c'est-à-dire que voilà, on va aller chercher des gens qui sont déjà en phase d'achat de produits Barbie, par exemple, pour être sûr que bah, ils ne se perdent pas en chemin et qu'ils achètent vraiment notre maison de Barbie ou notre hélicoptère, etc. Mais aussi une stratégie un peu plus large, offensive, pour aller chercher des gens qui sont un peu plus indécis, qui ont des cadeaux enfants, 5 ans, etc. Et ensuite, on élargit. Et la manière dont on travaille aussi avec Cdiscount, c'est à l'intérieur de la plateforme, sur le site Cdiscount, les gens qui y sont, mais aussi, bah, voilà, comme forcément, bah, on essaie aussi de faire un petit peu de conquête, on peut un peu aller élargir en dehors de la plateforme, mais toujours en utilisant la data shopper. Non, les plateformes de retail media, c'est une grosse partie. Après, le digital au sens large, j'allais dire. On fait beaucoup d'études hein, sur la maman, la jeune maman, ce qu'on appelle la primipare, aussi la maman d'enfant, premier enfant, c'est ce qui nous intéresse, parce qu'après, on est souvent assez équipés. On se rend compte que ce sont des personnes qui sont très, qui sont surconsommatrices de digital, surconsommatrices de social media, surconsommatrices de search, qui achètent beaucoup online. Et donc, c'est pour ça que la plupart de nos investissements, en effet, se sont déportés sur le digital, en tout cas quand on target l'adulte. Dès qu'on parle de l'enfant, c'est encore un peu différent. Voilà, dès qu'on veut un petit peu affiner, dès qu'on est un peu soucieux de la déperdition et de l'efficacité, bah, c'est vrai que du coup, s'adosser à des partenaires comme Cdiscount Advertising, qui ont une data qui est quand même très qualitative, très fine et très avérée, en fait, ce n'est pas du déclaratif. On sait que voilà, il y a plein de plateformes qui vendent de la data déclarative ou qui a été constituée à un moment et qui se périme, etc. etc. Bah, c'est vrai que les plateformes de retail media ont cet énorme avantage de data. Donc, combiner les deux, c'est vrai qu'en combinant les deux, on peut avoir des performances supérieures. J'ai envie de dire non, enfin, nous ça ne change pas, on s'adapte, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus de mobile. Après, je ne pense pas que ça change fondamentalement les manières de nous d'investir, c'est plutôt les plateformes et les partenaires avec qui on travaille qui se sont adaptés et qui font qu'aujourd'hui, bah, quand on fait du retail media avec Cdiscount, bah, naturellement on fait beaucoup plus de mobile. On doit faire en sorte que nos contenus, par exemple sur nos pages produits, soient vraiment optimisés mobile, etc. etc. parce que c'est une partie très, très importante hein, en tout bout de course pour la conversion. Aujourd'hui, on sait que la vie conso, c'est clé, c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi d'ailleurs avec Cdiscount et avec d'autres partenaires, en fait, pour alimenter un maximum les pages produits de reviews. Mais oui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui visitent des magasins, consultent les achats, les pages produits online, et à l'inverse, en fait, des gens qui aussi vont sur des plateformes online et finissent par acheter en magasin, soit en click and collect, soit bien après avec une rupture de canal hein, sur une autre plateforme. Mais bien sûr qu'il y a plein de coûts entre les deux.